Et là, t'étais en train de te dire, putain, elle a pas mis le son. Ah oui, je sais. Bonjour à tous, c'est bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette Accrotidienne du 8 avril 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 16h maintenant. Bah ouais, on est passé à l'heure d'été, bien évidemment. Pour l'Accrotidienne, on parle bien évidemment news high-tech, films, séries télé, les feux du marabout. Voilà, on essaie d'intégrer des petites reviews et des petites news de temps en temps afin qu'on puisse tenir au moins une demi-heure. Et je vous rappelle, on se retrouve également tous les samedis, dimanche à 11h du matin. Le samedi, une spéciale tech sur un dossier de mon choix. Et le dimanche, une spéciale Pattaya sur un dossier également de mon choix. Mais on parlera bien évidemment de cela pendant l'émission, puisque maintenant, il est l'heure de remercier nos tipeurs du week-end. Parce que je voulais faire que ceux du jour, puis il y a quand même ceux du week-end qu'on a un petit peu zappé. Donc bien évidemment, on aura alors DDS 59960. Facile. Alain G, bien évidemment. On aura... Je me mets là. Onurbe, on aura Naruzaki bien évidemment, et on aura Willy59 et Dan, voilà, qui sont en fait les tipeurs de samedi et dimanche. Je vous rappelle, l'émission est auto-financée par ses membres. Vous pouvez m'offrir un café directement sur Tipeee, le lien est dans la description. Voilà, 1 balle ou 2 balles, ou 3 balles, ou 5 balles, ou 10 balles, comme tu veux. Ça permet de financer un petit peu l'émission et qu'elle soit totalement autonome et financée par vous. Comme ça, on est transparent, tu vois le nombre de cafés, tu vois également combien cela me rapporte de faire cette vidéo sur 7 depuis 1 an. Ah, quand même. Voilà. Et également, pour petite compensation, à chaque fois que vous m'offrez un ticket de... Enfin, à chaque fois que vous m'offrez un café, moi, en échange, je vous donne un ticket de tombola. Oui, monsieur. Parce qu'on a une petite tombola tous les mois. Alors, dans la tombola, qu'est-ce qu'on a donc ce mois-ci? Par exemple, qu'est-ce qu'on va gagner? On aura déjà, c'est sûr, tac, 6 gagnants. 6 gagnants, on va les désigner dans l'ordre, comme à chaque fois. Vous pourrez gagner, par exemple, ce mois-ci, le smartphone à gagner, ça sera bien évidemment le Redmi Note 7. On aura un mini drone Zero Tech, d'occasion, mais qui n'a pas vraiment beaucoup servi. On est d'accord. Au moins 3 fois. Première fois, deuxième fois, je l'ai cassé. Troisième fois, après, je l'ai réparé. Après, troisième fois, je m'en suis servi. Et après, tu te rends compte que c'est le genre de truc que tu mets dans un placard et dont tu ne te sers plus jamais. On aura une carte GTX 1080, on aura des t-shirts médical marijuana, bien évidemment. Alors là, moi, je porte le blanc, mais normalement, vous aurez à gagner le... gris ou marron, je ne me rappelle plus lequel, j'ai mis quoi d'autre, gris, médical marijuana en taille L, voilà, pour ceux qui auront un petit peu d'humour, afin qu'ils puissent l'exhiber à ceux qui n'en ont pas, bien évidemment. Et là tu es en train de te dire, la phrase a énormément de sens, parce que tu es dit, oh, c'est contre l'humour, pour le montrer à ceux qui n'en ont pas, et tu penses aussi que t'es quelqu'un, comme quoi, hein, et il est fort, hein, ah bah, avec ça, je t'ai eu avec la blague, si je t'ai eu avec la blague du début. Et je sais que je t'ai eu avec la blague du début. Tu te dis, putain, il a mis l'émission en ligne, il n'a pas vérifié, il n'y a pas de son pendant toute l'émission. Ah, quel salaud, on est lundi. Ah, mais on est lundi. Le lundi, t'es un peu plus facile que les autres jours. T'es un peu plus faible. T'as passé un week-end, t'es un peu fatigué, là. Tu prends, ah, putain, il y a la quotidienne. Ah, enfin, mon moment de détente. Là, t'arrives. Ah, pas de son, frustration. Ah, re-son revient, bonheur, sourire, rectus. Ah, et là t'es content. Voilà, donc double peine, double contentage. Bon, on aura évidemment des écouteurs TWS. Voilà, on a plein de lots à gagner encore une fois. Alors pour ceux qui me demandent les lots du mois dernier, parce que je rappelle, on ne peut pas envoyer par airmail des produits avec batterie. Donc on parle bien évidemment des FreeBuds. Et on parle bien évidemment du téléphone. Vu que le 3e ne s'est pas manifesté et que le 4e m'a dit, moi de toute façon je donne pour le plaisir du café, je n'ai rien envie de gagner. Ou alors il n'y avait rien qui lui plaisait, ce qui est aussi une possibilité. Et bien en fait c'est Michel qui va les récupérer. Je rappelle, Michel vient en Thaïlande le 12, donc là bientôt. Voilà, pendant une semaine ou 10 jours. Il vient là, il a quelques formalités administratives à faire, notamment un petit mariage avec une Thaïlandaise, par exemple. J'y suis pour rien, hein, dans le dossier, je suis juste le témoin, ou la Libye, ça dépendra des choses. Et donc du coup, après, comme il repart en France, bah, il repartira avec le Huawei et les écouteurs, et il vous les enverra depuis la France. Donc pas de taxes, quasiment pas de transport, livraison en colissimo, la classe, va chercher au bureau de poste et tout. T'as l'impression c'est Noël, Noël au mois d'avril. Tu vois, je veux dire, là les blagues, pff, on n'est plus à ça près. Voilà, bon, alors on remercie... Ça va être long aujourd'hui, hein. Ça va être très long aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est bien. Aujourd'hui, il est bien. Moi, je sais pas vous, mais alors moi, j'ai passé un excellent week-end. Y a pas, on va pas se mentir. Bon, vendredi, ça, voilà, truc, vendredi soir, bon, voilà, passer une soirée, ça rendu sur Instagram, on a fini la soirée avec Mousse, c'était la soirée Mousse, oui, on peut le dire, c'était sa soirée, voilà, le samedi, bien, qu'est-ce qui s'est passé, samedi soir aussi, pas mal, truc, et après dimanche, tout, voilà, j'ai vraiment passé un week-end super bien, voilà. Je suis très content, j'aime bien beaucoup comme ça, voilà, c'est 2019, l'année de la meuf peut-être, mais l'année du keuf, de ton pote. Bon, laisse tomber, j'arrive à rien à trouver, c'est pas grave. Bon, on continue. Aujourd'hui, cette émission, c'est pareil. L'étiquette Tomola, on en a parlé. La page Facebook. Il est de retour, sur Facebook, je rappelle, j'ai une page Facebook qui s'appelle Pattaya French Group, dans lequel je n'ai aucune prétention, si ce n'est de partager là où je vais depuis, j'habite à Pattaya depuis 3 ans, donc je sais pas, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, beaucoup de choses que je sais, beaucoup de choses que j'ai appris, et beaucoup de choses qu'on va m'apprendre, bien évidemment. Bon, en attendant, j'ai une page, afin que tous ceux qui me suivent, qui me connaissent, ou qui me reconnaissent, afin de me croiser comme ça dans la rue, puis, ou dans le restaurant, qui regardent, ils font... oh. Ou alors quand on sort, ils regardent comme ça. Bah oui, c'est moi. Bah oui, c'est moi. C'est moi, GLG, l'ami des petits et des grands, bien évidemment. Voilà. Donc comme ça, on a une page. Si vous voulez me rejoindre ce soir, je vais au Freelax à 18h45. Ça sera certainement... Ah bah non, ça sera... Oui, ça sera trop tard pour... Voilà. Donc je mettrai régulièrement demain. Demain on va au Beniz manger le demi-poulet. Je sais que BKK il sera. Donc ça fait l'occasion, si vous voulez jamais nous rejoindre, vous me dites, mettez un petit message en disant je serai là. Comme ça on vous attend, on réserve une place. Et on t'attend demain à midi et demi hein, bien évidemment. Voilà. Donc la page est de retour. L'Instagram, a toujours été là, bien évidemment. Mon Instagram, donc rien depuis. Alors ce que j'ai mangé, alors j'ai mangé la même chose midi hein, parce qu'après il ferme pendant une semaine à cause de son crâne. Donc je suis retourné manger mes pancakes machin et tout. Bon, les belles du jour, bien évidemment, trouvées sur internet. J'ai pas la chance et l'opportunité de prendre en photo autant de belles tous les jours. Donc, bien évidemment, il y a un petit peu de Google en Thaïlande, mais comme heureusement, on m'a donné le terme à chercher. Julien m'a donné le terme à chercher en thaïlandais. J'ai pu trouver pas mal d'informations complémentaires. Le cinéma que je suis allé voir dimanche, bien évidemment, on en parlera juste après pour ceux qui n'auront pas vu le live du week-end. La vidéo WTS également et la belle du matin, bien évidemment, qui est peut-être un bel du matin. Et comme ma blague préférée aujourd'hui que j'aime beaucoup faire, c'est sa mère rêvait d'avoir une fille et elle n'a pas été exaucée du premier coup. Alors, ah bon, et toi, voilà, cherchez bien. Sa mère rêvait d'avoir une fille. Et alors, elle a eu un et c'était pas une fille. Si, regarde, c'est une fille. Oui, bon. Ok, c'est bon. Tu l'as? Allez, je te la laisse celle-là et comme ça tu pourras la ressortir. Si Théo veut nous mettre un commentaire, il comprendra. C'est la blague qui a énormément de sens. Voilà. Bon, les feux du marabout, bien évidemment. Ce week-end, il y a donc eu 2 lives. Alors attendez, hop, est-ce que je peux mettre les lives? Je crois que je peux les mettre les lives là. Voilà. Ce week-end, il y a donc eu 2 lives. Un live, alors ça, je sais pas pourquoi les vidéos, j'arrive pas à les virer. Enfin bon. Un live samedi sur la 5G. La 5G va-t-elle cramer ton karma? On a quand même fait 937 vues, donc c'est quand même pas dégueu du tout. Voilà, donc un live qui a duré 1h30 jusqu'à ce que FreeBibi me dégage du réseau machin et tout. À savoir, laissez-moi encore 15 jours pour ces lives du samedi. On pourra samedi prochain... Oui, bah, je suis sur mon téléphone en 3G, 4G... le 15, j'emménage dans mon nouveau palais. Le 16, 17, je pourrais avoir internet. Le samedi d'après, on pourrait avoir une connexion décente, faire un live depuis l'appartement. Et là, donc, on pourrait avoir les zombies, les machins, les trucs comme ça. À savoir que samedi, on a exploser le record des super chats. Je vous rappelle le principe, c'est 30 minutes plus les arrêts de jeu, c'est-à-dire chaque fois que vous faites un super chat pour poser une question en priorité ou pour soutenir l'aventure, je prolonge le temps de 1 euro une minute, 2 euros deux minutes. Tu es en train de te dire putain c'est cher la minute, ça fait 60 euros de l'heure. Eh ben dis-toi qu'on a fait bien plus que ça. Voilà, j'inviterai ceux qui veulent le savoir à aller voir, j'en parle toutes les 30 secondes de combien on a fait dans le live, ça vous obligera à le voir. Mais ça va vous énerver, ou sinon ça va vous énerver, ne le regardez pas parce que le montant est quand même juste... Pas dégueulasse. Voilà. Dimanche, un live cinéma Thaïlande, Shazam à 3 €. Donc le samedi, je vous propose plutôt un sujet sur Pattaya. Là, on parle pas toujours des putes, des meufs, des ladyboys, des sexy bars, des gogo gays. Des... non, bah non, on peut pas. Hein, là, c'était cinéma. Chanter du cinéma, c'est la bonne occasion. En plus, c'est 100 bahts le cinéma à Pattaya au Major Cineplex le dimanche. Donc j'étais assez étonné. 100 bahts, ça fait quand même 2,80 €. Donc pour aller voir un film qui n'était pas exceptionnel, je vous en parlerai juste à la fin de cette Accrotidienne, mais ça permet de parler un petit peu de ça. Au niveau des vues, 700 vues pour un live. Au niveau des sous, bah beaucoup moins forcément. On a fait 30 balles, 31 balles je crois, de mémoire. Par rapport à samedi, c'est peanuts. Mais c'est pas mal, tu vois. Après quand tu prends les deux cumulés en un week-end, t'es en train de te dire, ouais, je vais me mettre au live aussi. Vas-y, profite. C'est la tendance. Après, faut l'animer, hein. Attention, c'est pas si facile que ça. Bon, alors, les feux du marabout, nanan, de live ce week-end, super chat, nouveau condo à Pattaya, on en a parlé. Vous avez vu certainement les photos sur mon Instagram, vu que la photo a été ultra pas mal laquée, 136 likes, c'est pas mal, où je vais voir les photos de mon appartement. Rien d'exceptionnel, et on voit bien que sur la... Merde, c'est pas celle-là. Il n'y a pas 2 photos dessus, c'est un enfer. Comment je peux... Attends, ouais, c'est ça, voilà, regarde. Là, bon, c'est l'appartement avec la chambre. Et on voit bien, là, si tu zoomes bien, il y a une petite bande bleue quelque part. Là, c'est la mer. Oui, attends, hey, de ça, hein, t'as une bande bleue, on voit presque la mer. Mais ce sera pas mal pour faire les reviews et tout, on va être bien là. On va être bien tous ensemble, là, tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà, bon, revenons dans nos montants. Bon, allez, on parle un peu des news. Une news qui m'a été envoyée par un site très sérieux qui s'appelle Fondroid, qui vous tease bien évidemment le Xiaomi Redmi Pro 2, un nouveau téléphone, Xiaomi, bananana. Alors, pour moi, sauf qu'il y a du contraire, c'est un article qui est plein de non-sens, que si on connaît un peu la marque Xiaomi et qu'on connaît un petit peu la marque Redmi, et la cible que Redmi s'engage à apporter par rapport au modèle Xiaomi, il est quand même juste, pour moi, après j'espère me tromper, et si je me trompe bien évidemment, vous serez tous à venir, t'es trompé, il est quand même juste impossible de voir un téléphone arriver comme ça, avec un finger, un touch, un touch screen in display. Oh, je sais pas, tu mets ton doigt sur l'écran, il le reconnaît, voilà. Ça, une caméra pop-up et tout, pour plusieurs raisons, en fait, moi je dirais c'est pas possible. 1. Au niveau des prix, on serait obligé de monter dans les prix et ça rentrerait complètement en confrontation avec la gamme Xiaomi. 2. Xiaomi a essayé d'innover un petit peu avec... avec le Mi 3 ou machin qui avait un petit peu le slide comme ça, ça a pas marché terrible. Hein. On n'a pas entendu parler, machin, les gens en ont parlé, pas génial et tout. Il y a quand même le Mi 9 qui est quand même une grosse bombasse et tout. Là, en plus, cette technologie-là, à mon avis, elle est certainement brevetée Oppo Vivo, vu que ce sont les deux premiers à l'avoir fait. Alors, soit, parce que la rumeur était déjà venue la dernière fois, on en avait déjà parlé, en disant, s'il y a un téléphone comme ça qui sort, il sera forcément fabriqué par General Electronics, qui est l'usine de Oppo, Vivo, OnePlus. Donc il faudrait qu'il les fasse fabriquer. Alors le Mi 9, vous allez me dire oui, le Mi 9 est fabriqué par Foxconn, il pourrait très bien faire un modèle fabriqué par l'usine Oppo Vivo, mais il serait obligé de donner des royalties à Oppo Vivo pour une technologie qu'ils ont certainement brevetée. Et c'est pour ça qu'on voit pas de téléphone arriver avec cette putain de caméra pop-up, parce que c'est eux qui l'ont fait, ils ont déposé le truc et qu'à mon avis ils ont dit ah, t'en veux maintenant, voilà, brevet, attaque, ou alors tu fais fabriquer chez nous et dans ce cas royalties. Le téléphone serait à mon avis beaucoup trop haut de gamme avec un Snapdragon 855. Alors on me dit oui mais le Pocophone F1 ils l'ont fait, gna 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 gna. Moi je sais pas vous, mais moi depuis le Pocophone F1 j'ai rien vu hein. Moi j'ai rien vu depuis hein. Pourtant je veux dire, attends, soit ils font à la OnePlus et ils nous sortent un modèle par an, donc on aura un flagship par an machin et tout, mais on se rend compte que même OnePlus a essayé d'élargir sa gamme, ça n'a pas marché, ils reviennent à un téléphone et tout, mais c'est compliqué. Meizu avait essayé de le faire en sortant un téléphone de temps en temps et il se rend compte que financièrement il faut quand même en vendre beaucoup pour vivre un an, pour faire tenir une société pendant un an avec un modèle, tu vois ce que je veux dire. C'est oui, alors il gagne peut-être 20-30 balles par téléphone, et encore c'est pas beaucoup, tu vois, je veux dire 20-30 balles, bah il faut en vendre quand même, tu vois je veux dire, il faudrait presque en vendre 500 000 pour arriver à prendre 20-30 balles, pour toucher 5 millions, pour diviser la boîte hein, par 10, ça fait 500 000 par mois, payer les ingénieurs, les techniciens, les machins, à branler la paluche, à travailler sur le prochain, c'est juste économiquement pas viable en fait. Voilà, donc après avec le Redmi Note 2, la caméra pop-up, pour moi c'est juste impossible, surtout dans la gamme Redmi. Et c'est pour ça qu'en fait ils ont fait avec leur Mi Mix 3, ils ont fait un slide, ils n'ont pas fait une caméra pop-up parce que technologiquement c'est trop compliqué, il y a trop déjà des petits problèmes, des machins, des trucs de fiabilité et tout. C'est quand même, c'est très très risqué, surtout pour une marque qui est vraiment destinée à un marché low cost, à fracasser les prix, voilà. Et en plus à savoir qu'ils ont déjà Pocophone et que Pocophone F2, tu l'as vu dans ton cul, hein. Bien évidemment pour l'instant tout le monde en parle, tout le monde va arriver, non mais c'est bon, ils ont dit que ça va sortir, pff, rien du tout. Rien du tout. Mais non, ils ont. Faut être un peu lucide. Les mecs avec le Pocophone F1, ils ont complètement fracassé leur propre marché. Je veux dire, faut pas être le roi du marketing pour dire les mecs, ils se sont complètement tirés une balle dans le pied. Ça veut dire que, hey, t'as vu mes nouvelles baskets? Eh bah tiens, arrête, j'ai crevé l'air. Ah bah, ouais, le Pocophone F1, c'était un carnage. Tout le monde a acheté ça, machin. Tout le monde voulait acheter ça. Tout le monde en disait que du bien, même si dans la review, on a vu que bon. C'est pas mal, mais machin. Donc après, arriver avec un Mi 9 qui est carrément vachement mieux, oui. Et là, après, arriver avec un Redmi qui est censé être aussi bien, parce qu'on va certainement retrouver des technologies qui sont déjà éprouvées par Xiaomi. Donc voilà. Xiaomi tenterait-il le coup d'un Pocophone F1? Je suis pas analyste financier ni machin, mais moi j'ai envie de te dire, ils ont aucun intérêt. Ils sont déjà complètement. Les mecs, ils se sont quand même déjà bien, je vais pas dire vautrés avec le Pocophone F1. Le Pocophone F1 est une réussite. Ils en ont vendu trop, mais ils ont un peu bien niqué leur marque en fait avec ça. Et tu crois qu'ils vont sortir une troisième marque pour dire hey, jamais 203? Non, ça c'est une expression à nous, c'est pas une expression chinoise. On est d'accord. Alors, l'absence de lecteur d'empreintes digitales qui pourrait être sous l'écran et tout, moi je pense que c'est juste un mock-up et que c'est complètement impossible de voir arriver ce téléphone-là en l'état. Après, peut-être je me trompe, et si je me trompe, je ne me doute pas que beaucoup seront d'accord pour venir là. S'ils le sortent en l'état, là, après, tous les mecs qui font un peu du marketing et du business se diront, alors là, les Chinois, ils ont vraiment une paire de couilles en platine. Hein, parce que là, pour sniquer le marché eux-mêmes avec différentes marques, machin, positionner même gamme, la gamme Redmi qui est censée être moins chère, mais on fait mieux que machin, là, à mon avis, c'est un petit peu rock'n'roll. On parlera bien évidemment, j'ai vu la news du Lenovo Z6, alors quand on a vu les entoutous de la semaine dernière, on se rend compte que la gamme Lenovo et surtout la gamme Z marche très bien. Donc il pourrait arriver qu'un Lenovo Z6 Pro, encore une fois, qui n'est pas fait pour vous, hein, qui est surtout fait pour la Chine, vous avez droit à Motorola, à cause du rachat et tout, on en a déjà parlé. Alors ceux qui ne savent pas, quand Lenovo a racheté Motorola à Google, il y avait des espèces de conditions dans les termes qui sont relativement opaques, qui leur ont dit partout où il y a du Motorola, vous n'implanterez pas quasiment de Lenovo et vous contenterez de trucs. Alors c'est pas pour tous les pays, il y a des pays où il y a les deux marques, mais certainement pour l'Europe des machins comme ça, ils ont un espèce de conflit machin. Pour ça qu'il devait faire la marque Zuc, c'est pour ça qu'elle est finie dans ton Zuc, bien évidemment, et que Motorola s'appelle Motolo, Leno, Maloto, Moto, Toto, voilà, tombe à l'eau, qui reste Lenovo. Elle est bonne, hein. Elle est spontanée, elle est spontanée. Bon, Snapdragon 855, c'est pas mal. Voilà, donc c'est tout ce que tu auras. Bon, on pourrait avoir un capteur de 100 mégapixels. Alors, ça va être un peu tout ce que tu auras en 2019. Hein. Des pixels, des machins, des caméras, des trucs, on verra. Un display, certainement, bon, un lecteur d'empreintes sous l'écran, quand on voit un peu le truc. Quand on compare un peu aux versions Z5, Z5 GT. Bon, est-ce que ça sera mieux que bien? Est-ce qu'on aura le processeur le plus puissant et une caméra encore mieux, une grosse batterie et tout? Bah, on a espoir que oui, parce que sinon, ça va être un peu compliqué pour eux. J'ai mis la news du OnePlus 7 qui est un titre un petit peu racoleur mais qui a du sens. C'est qu'en fait le OnePlus 7 est en promo actuellement à 400 yuan en Chine. Donc du coup on enlève quand même moins de 60 $. Donc je veux dire, pour un téléphone qui vaut moins de 500 balles, enlever 60 $, c'est quand même 10% de remise. Ça veut dire en fait quoi? Bah, que OnePlus commence un petit peu à écouler ses stocks, hein, que le OnePlus 6T, bah, il leur en reste un peu, qu'il va falloir un peu les écouler, et que le OnePlus 7 comme tous les ans arrivera à la même date, au même moment, mais la marque se doit un petit peu d'éponger un peu son téléphone et ses stocks avant de sortir un OnePlus 7 qui sera bien évidemment... Voilà, on ne sait pas trop. Je veux dire, après, il faut regarder un peu. Attends, j'ai quand même des lunettes vachement crades. Il faut regarder un... Ouf, oh mon Dieu, mais il fait jour. Ah, bon, quand on regarde un petit peu les téléphones qui sortent actuellement, les téléphones que nous sortent Oppo et Vivo, notamment avec la série S1, les V15, avec les caméras pop-up, machin et tout, que tout le monde essaie un peu de se débattre, et Huawei avec son P30 et tout, on se dit que le OnePlus 7 est quand même, il a intérêt d'arriver bien né, hein, parce que sinon ça va être compliqué, hein. Donc bon, il va pas être excessivement cher, mais il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts du Zuc, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme news? Le iPhone, allez, on parle un petit peu du iPhone 11. Alors, certaines rumeurs, bien évidemment, comme tous les ans, on n'arrive à pas avoir de rumeurs de la part de Apple, mais on arrive à avoir des rumeurs de la part des fabricants qui fabriquent et tout. Et apparemment, le nouveau téléphone pourrait avoir une caméra complètement ouf. Alors là, une super wide angle and a rear TRF lenses. Alors, il est étonnant le mock-up parce que du coup on aurait un téléphone qui aurait quasiment 2, 3, 4 caméras derrière et tout. Alors il y aurait 2 ans ça aurait paru un petit peu bizarre, mais bon, maintenant Huawei l'a fait, beaucoup de marques le font et beaucoup de marques mettent 3 caméras. Et force est de constater qu'il y a l'utilisation quotidienne, le machin il bascule du lentille à l'autre et tout, tu te mets en près, ça fait des macros de dingue, tu te mets en loin, tu zoomes et tout, enfin moi je veux dire sur mon Mate 20X, c'est vraiment un régal, je veux dire n'importe quelle photo elle est bien, sauf les caméras selfie bien évidemment où là t'as qu'une caméra et c'est quand même moins bien, mais les caméras arrière c'est vraiment d'enfer. Donc il pourrait arriver avec ça, parce que de toute façon un iPhone 11, arriver qu'un iPhone 11 en 2019, qui ne sera pas 5G, mais ça on en a déjà parlé, c'est vraiment pas une catastrophe, vu qu'il n'y a pas d'antenne et que vous n'allez pas en bouffer des forfaits raisonnables avant 2021, il pourrait arriver avec un téléphone qui aura un processeur encore mieux que les autres, gravé à 7 nanomètres voire 5, s'ils sont capables de le faire, c'est trop bien, ça sera super puissant. Forcément ils ont leur OS et c'est certainement ça qui veut leur sauver, leur OS et leur fan club. L'écran sera bien évidemment magnifique, forcément la batterie devra tenir un peu mieux que d'habitude, oui, par quoi ils vont bien pouvoir faire la différence vu qu'au niveau design c'est quand même bien devenu des merdes. Ça ressemble bien comme les Laguna, ça ressemble tout à des Laguna, il n'y a pas à dire, voilà. Et la caméra, voilà, donc la caméra, là les mecs doivent être en train de plancher en disant waouh, depuis Samsung, peut-être qu'ils se pendent, ouais, mais Samsung, on sortira un truc en disant bon, c'est bien hein, ce qu'ils ont fait Samsung, mais c'est pas oufissime, tu vois ce que je veux dire. Après, le problème, c'est qu'il y a eu Huawei avec le P30 Pro, et là, tu voulais du oufissime, et ben tout le monde en a pris, tout le monde est unanime, on dit ah ben voilà, trop bien, machin. Donc, eux, s'ils n'arrivent pas avec un truc qui est complètement encore mieux que mieux, un truc qui apporte vraiment plus, ou qui sont capables logiciellement de faire mieux avec des trucs qui servent peut-être à rien, mais qu'ils arrivent à faire des trucs géniaux, là, ça sera bien. Sinon, tout le monde va dire ouais, enfin bon, voilà quoi, le Huawei, il est moins cher, il est bien, tout le monde est unanime, machin. iPhone, ils vont te faire payer 2 fois le prix pour la même chose, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, mais en même temps, ce n'est pas impossible, bien évidemment. Allez, on passe sur la news suivante. La news suivante, c'est bien évidemment... attends, qu'est-ce que j'en ai ? Voilà, legeek.tv. Alors, legeek.tv, je rappelle, c'est mon site collaboratif. T'as une chaîne YouTube, t'as envie de la faire connaître un peu plus, tu mets ta vidéo sur YouTube, tu changes rien, ensuite tu viens ici, tu mets uploader, enfin tu mets pas uploader une vidéo, tu mets surtout mettre ta vidéo, tu mets ton lien, une description, dans ta description tu mets un petit lien legeek.tv, ça veut dire que moi je t'amène du monde, t'essaies de m'en amener un petit peu. Prenez la vidéo de Warfall, elle a fait quand même 79 vues, c'est quand même pas mal, ça l'a 49, les chaussures 27 vues, ah il y a... 50. Il a bien cartonné Warball Community qui a 3 pseudos sur internet. Alors vous me faites rire quand vous m'écrivez parce que vous mettez les 3 pseudos que vous avez sur internet. On parlera bien évidemment, on parlera pas de Sébastien H, mais bon, il y a quand même beaucoup de pseudos hein. C'est souvent lui hein. Il y avait Laurent aussi. Voilà. Il y a 2 Sébastien je crois. Mais il y a voilà, beaucoup de monde qui ont beaucoup de pseudos. L'autre fille, enfin voilà. Il y a beaucoup de comptes. Et ils mettent ah c'est toi aussi alors. Ah c'est toi aussi Gaoxin. Ok, bon bah ça marche aussi. Bon. Donc WTS du dimanche, c'était sur un temple hindou à Konken en Thaïlande bien évidemment. Donc pas vraiment au nord-est de la Thaïlande. Oui, je suis obligé de faire la boussole, hein. Nord-est, sud-ouest. J'y arrive pas. Je suis désolé, je suis encore obligé de faire un haut bas. C'est comme bâbord, tribord. Voilà. Bâbord, tribord. Hop, tribord, bah à droite. C'est forcément. Bon, pour toi, c'était inversé. Donc, du coup. La vidéo en tape hindou a une vidéo qui est quand même juste exceptionnelle. Je remercie tous ceux qui ont mis des commentaires intéressants, parce que là où on se rend compte que la chaîne arrive un peu à maturité, c'est qu'on a des commentaires qui sont intéressants, et non pas des commentaires complètement bidons. Ouais, c'est pas ça, ouais, mais les hindous c'est comme ça, ouais, mais tu dis n'importe quoi. Mais non, je dis pas n'importe quoi, je me balade comme dans Disneyland, et que voilà. Et que c'était vraiment un gourou, le mec là-bas, que ça représentait certaines scènes et tout. Vous allez voir, il y a des commentaires qui sont assez intéressants, et je remercie tous ceux qui sont capables d'apporter, parce que moi je lis ça, alors le problème c'est que je retiens pas, mais je lis, je me dis, ah ouais, putain, c'est bien, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet d'avoir des commentaires qui sont constructifs sur un parc qui est complètement juste surnaturel, je veux dire. Et en plus, cette vidéo était exceptionnellement bien, d'après moi, parce qu'il y avait de l'action, il y avait de l'aventure, il y avait du guide gay en plus. Je veux dire, voilà, quand même, on a notre quota. On n'avait pas de meuf, mais si, il y en avait bien quelques-unes, mais bon, voilà. Il y avait de la meuf, il y avait du guide gay, il y avait du frisson avec le truc des enfers et tout. Enfin, je veux dire, il y avait de la découverte, il y avait de la surprise, il y avait de l'émotion. Il n'y a pas eu de larmes. Si, on a quand même bien rigolé, mais voilà, donc c'était pas mal. La vidéo en elle-même a pas vraiment bien marché, en fait, autant qu'à ça, donc je pense que vous irez au moins la voir. On a fait que 256 vues, mais après, encore une fois, le but n'étant pas que toutes les vidéos marchent à tous les coups, le but étant d'y aller, de se faire plaisir et de partager avec vous. Aujourd'hui, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et des choses qui marcheront plus tard. Prenez Kazenestat, qui était devenu le plus gros des youtubeurs. Il a galéré pendant 2-3 ans, il l'a dit. Hein. Il ne faisait pas de vues, machin et tout. Puis d'un coup, les gens se sont rendus compte de la qualité de ses vidéos. Et se sont abonnés en masse. Et il a fait plus de 10 millions d'abonnés. Et c'était trop bien et tout, quoi. Donc s'il y en a qui disent, toi tu rêves, je dis, bah oui, bah oui, je me dis que, pourquoi pas moi. On me dit, attends, les vidéos sont bien, pleines d'émotions, il y a des décors et tout machin, et que peut-être qu'un jour, les gens vont découvrir, oh, elles sont toutes bien, ils vont tous les regarder, je vais faire 1 million de vues. Alors c'est un vrai café, hein, pour de vrai, je vais pas te faire voir, si tu vois. C'est café thaïlandais avec un peu de crème et tout, pas dégueu, il est encore un petit peu chaud. Voilà. J'avais peur qu'il devienne tiédasse. Chaudasse. Bon, les vidéos de la semaine. Alors, on a reçu le paiement du bracelet connecté Amazon. C'est pas un bracelet connecté Amazon, ça sera dans le titre, c'est un bracelet par une marque chinoise, mais qui est vendu par Amazon aux normes CE et tout, qui a un bracelet qui est pas exceptionnel, qui a un bracelet à 30 balles, qui fait rien ni plus ni moins que beaucoup d'autres bracelets. Il y a quelques petits trucs intéressants. Après, il vaut 30 balles. Après, c'est une review sponsorisée parce qu'un bracelet à 30 balles, les reviews gratuites, je n'en fais plus parce que je n'ai plus le temps et qu'aujourd'hui, le business model s'est fait sur autre chose. Ils ont décidé de payer pour faire la review, donc je vais être obligé de la faire. Aujourd'hui, je voulais faire les plans cet après-midi. Il a commencé à faire... Donc, je me suis dit, il va pleuvoir. Donc, je me mets un petit peu sur le lit. J'ai dormi comme une merde pendant une heure. Je me suis réveillé, il n'a pas plu. donc, du coup, je reporterai la review à demain et elle tombera mercredi ou jeudi. Encore une fois, je ne suis pas là pour mettre la pression. Ils ont payé, la vidéo tombera dans la semaine, c'est tout. Et la vidéo sera franche et honnête comme d'habitude. Je vous dirai ce que j'aime bien sur le bracelet, je vous dirai ce que j'aime pas sur le bracelet. Est-ce que c'est le bracelet de l'année ? Oui, bien évidemment, c'est le seul que j'ai testé depuis 2019 et j'ai pas l'intention d'en tester d'autres. Donc oui, c'est le bracelet de l'année. Mais après, voilà, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Tu vois, il y a un écran couleur, il y a un petit, truc tactile et tout. Il est pas mal, il est intéressant. Mais il fait rien de plus ni de moins que les autres, je veux dire. Donc après, on verra ça dans la review. Après, je devrais enquiller certainement directement le... Alors, le Redmi Note 7, que j'avais préparé les plans et tout, que je voulais faire, à mon avis, tu vois, pour mercredi, jeudi, mais... Côté vénal oblige, bien évidemment, je vais faire les gens qui payent d'abord, vu que c'est un peu l'argument. Si tu payes, je fais, hein. Tu payes pas, pff, on n'est pas pressé. J'ai assez, de retard pour tenir avec une vidéo par semaine sur GLG Review. J'ai de quoi tenir pendant 2 mois, tranquille. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu sais pas, bah, le Jtgeek, c'est 3 chaînes YouTube. Arrête de rire. Le Jtgeek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, c'est encore fait des reviews. Donc des plans, des machins. Là, je vais me mettre dehors sur une table et tout, avec peut-être la piscine en fond et tout. Ça va être pas mal. Donc, review, une par semaine. Voilà, on fait des reviews, on vous dit. GLG Vidéo, la quotidienne et les live du week-end, 7 jours sur 7. Bien évidemment, c'est aujourd'hui mon activité principale. Bien évidemment. Et WTS by GLG, qui est ma chaîne de vlog sur laquelle je vous fais découvrir la Thaïlande, les temples et machins. Alors, il y a des moments bouffe, il y a des moments temple, il y a des moments balade, il y a des moments... Oui, viendront les moments porno, bien évidemment, mais on ne pourra pas les mettre sur YouTube. Certains auront vu arriver le partenariat avec Pornhub directement sur mon Instagram. Voilà, je vous inviterai à aller le voir. Celui-ci a été indirectement annoncé discrètement sur mon Instagram. Voilà, ceux qui sont déjà allés le voir ont compris pourquoi je dis ça. Et ceux qui ne sont pas vont aller voir. Et donc, du coup, n'oublie pas, abonne-toi. Like and subscribe, ça veut dire mets un petit like et abonne-toi. Il est dur, hein. Il est dur dans le racolage quand même un petit peu, hein. Toi, t'es en train de te dire, tu voulais pas y aller sur ce putain d'Instagram de merde là. Puis là, mais tu peux y aller, tu peux cliquer même sur ton ordinateur. T'es pas besoin d'avoir un compte et tout. Tu cliques sur l'ordinateur, t'as accès à la page. Tu pourras pas mettre de like sans avoir de compte, mais au moins tu pourras aller voir. Tu pourras aller voir un petit peu de quoi je te parle. C'est pas vieux. Et pourtant, tu l'avais vu venir. Le titre racoleur. Bon, Redmi Note 7, le Ulefone Power 3L, bon bah du coup, voilà. Le Oukitel C13, pop. Les Huawei Freebud, ah, vas-y, c'est bon, ils sont gagnés déjà. Je me demande si je vais même pas les envoyer aux gagnants et même pas les tester. On va les envoyer à Laurent. Bah écoute Laurent, ce que tu fais, je te les envoie, tu les testes, tu nous dis ce que t'en penses, hein. Moi j'ai pas de temps, j'ai pas le temps. Les T88, ils sont à gagner ce mois-ci, à mon avis, ici. Non, là, par contre, quand c'est comme ça, je suis quand même obligé de vous faire un truc. Bon, bon, bah voilà, t'as compris. T'as compris un peu le manimal, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, Nana? L'écran USB-C, ouais, et la caméra capsule, elle va être livrée par FedEx un jour. On s'en fout, elle va arriver. En plus, ça va être une revue sponsorisée. On n'est pas pressé. Bon, mes films du week-end, bien évidemment, certains auront vu que ce week-end, je suis allé voir au cinéma Shazam, bien évidemment. Séance à 100 bahts en Thaïlande le dimanche, soit 2,80 €, ça valait carrément le coup. Putain, t'imagines 100 bahts pour le cinéma et 20 bahts la bouteille d'eau. Tu vois le rapport un peu quand même, comment je me suis bien fait niquer pour la bouteille d'eau. En plus, il y avait de la pub dessus, je trouve, il la paye même pas. Bon, je suis allé voir Shazam, un film d'essai comique, bien évidemment, qui pour moi est quand même beaucoup trop teenager. Encore une fois, ça c'est comme les gamins là qui trouvent extraterrestres, machin. Moi, dès qu'il y a les films de teenager, ça me sort par les yeux. Déjà parce que j'aime pas les enfants. Et ensuite, l'école et tout machin, voilà, ça me sort. Et là, c'est complètement teenager, notamment dans les blagues, dans l'humour, les machins comme ça. Le héros en lui-même, voilà. Bien évidemment, comme tu te dis, allez, à la fin, il est en mode adulte, c'est pas mal et tout. Il faut que ça vire au côté teenager, bien évidemment. Bon, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. En plus, pour 130 minutes, voilà, c'était quand même un petit peu cruel de mettre 130 minutes de tout ça. Le héros, voilà, est-ce qu'on le verra avec Batman et Superman? Le film voudrait te laisser penser que oui, sans vouloir vous teaser, hein, c'est pas parce qu'il y a des trucs de Batman, machin comme ça, mais bon, voilà, ils en parlent assez pendant le film. À voir, est-ce qu'il y aura un rapprochement et tout? Je trouve ça assez bizarre, tu vois, c'est un peu comme... Merde, comment il s'appelle le mec tout en rouge là qui fait des conneries chez Marvel. Voilà, et là ils disent bien avec les X-Men machin et tout qu'ils peuvent pas trop mélanger les univers comme ça et tout. Là ils font un peu la blague, donc à voir. Films et séries télé du week-end. Alors j'ai enfin téléchargé complet IP Man, parce que ici à l'hôtel, enfin à l'hôtel, à la résidence machin truc, l'appartement truc, voilà, que tu peux louer à la journée, à la semaine ou au mois. Tu peux télécharger que la nuit parce que la journée il y a trop de monde sur le wifi. Donc j'ai enfin téléchargé IP Man Legacy. Donc peut-être je regarderai ce soir si la soirée se finit court. Si j'en ai personne, bah, la soirée se finit court. Et s'il y a un peu de monde, et ben bah, peut-être qu'on ira au Buffalo voir, voir Bill, vu que c'était ma blague du jour. Ah ouais, mais il faut que tu t'accroches mon pote, c'est pas parce que c'est lundi hein. Il faut que... bon, ou Billette, ou Billy, ou Billy. Non, c'est pas ce que tu penses. Bon, et enfin les films et séries télé du week-end. Alors j'ai rien regardé ce week-end, mais avant cette semaine j'attends forcément American Gods et forcément Billion. Sur internet, je sais pas si vous avez vu, il y a Burger Quizz, les deux épisodes de la semaine, dont il y a un des deux épisodes c'est avec Norman. Tiens, c'est étonnant. Parce que, enfin, à chaque fois que je l'ai vu, voilà, sur scène il est drôle, mais en vrai un peu moins, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, à voir comment il va être dans le Burger Quiz, tu vois, autant Commandeur, laisse tomber, c'est un tueur. Mais autant, j'ai pas eu trop le temps de regarder, mais je pense que je regarderai peut-être aujourd'hui ou demain, essayer de voir un petit peu ce qu'il donne en live, comme ça, en one shot, en truc comme ça, tu vois. C'est difficile, hein, le stand-up un peu, tu vois, de faire des blagues comme ça. Bon, et enfin, on finira par la promo du jour, parce que je vous rappelle, le Jtgeek, c'est plein de trucs, c'est plein de sites, c'est plein de business, ça énerve tout le monde, mais bon, après, bah, ça énerve ceux qui n'arrivent pas à en faire, surtout. Voilà, je vous rappelle, j'ai un site de code promo qui s'appelle skyphone.fr, skyphone.fr, bien évidemment, sur lequel on met les codes promo. Alors les codes promo, je vais les faire maintenant, vous les aurez certainement pour ce soir. Et la promo du jour, alors attention, je vous la sélectionne. La promo du jour, c'est bien évidemment alors je sais pas, des jouets sexuels pour femmes PU. Alors attention, PU, c'est du cuir de plastique, hein, on est d'accord. Cuir, SM, bondage, sexe, ensemble, menottes, foot cuff, fouet, corde, bandeau. Génial, génial. Pour 11 €, moi personnellement, ça m'a beaucoup amusé. Alors en rouge, putain, en rouge ça pète, hein. En rose. On met en noir. Donc t'as les fausses menottes, le truc, la boule dans la bouche, les petites pinces pour voilà, la petite plume et tout. Génial, génial. En promo à 11,03 € aujourd'hui. Si tu veux voir la promo, je t'invite à aller sur skyphone.fr. Tu vas dans la rubrique vêtements, enfin dans la page de la promo du jour. Tu vas dans vêtements, parce que je ne savais pas où le mettre, hein. J'ai pas encore de catégorie SM, parce qu'il n'y a pas beaucoup de récurrence en fait. Et j'ai trouvé ça très drôle aujourd'hui de me taper un code promo. Je crois que tu peux avoir un code promo de 272 si t'es un nouvel utilisateur. Donc ça fait 9 € en free shipping. Là je veux dire mon pote, il y a moyen au moins de faire un cadeau original. Pour la blague, voilà. Michel, je crois que Michel pour le mariage ça va être un peu juste. Je suis désolé, mais si... Cadeau de mariage. Eh ouais, GLG, le marabout ultime. Non, Michel il se marie, pour son mariage il m'amène du pulco. il est comme ça le marabout. Bon voilà, ainsi se termine la quotidienne qui aura donc duré un peu plus que 30 minutes, mais presque 30 minutes parce qu'il ne regarde pas le compteur. Si j'avais vraiment un compteur, je tiendrais les 30 minutes. Si toi aussi tu as une radio et que tu cherches à faire une émission, je peux tenir 30 minutes tout pile, tranquille. Émile, voilà. Je vous remercie tous d'être passés, ça m'a fait plaisir. Hein, ben, on s'est vu un peu comme un lundi. On se donne rendez-vous demain. Demain on est en mode microtidienne, ça veut dire que ça durera que 15 minutes. Et après on se retrouvera en live pendant 15 minutes. On m'a confirmé qu'il est interdit de faire des vidéos dans la Walking Street, en live ou en machin comme ça, hein, alors il y en a qui le font, tout le monde, des gens qui le font, mais en mode live machin et tout, c'est apparemment interdit, voilà. Donc il faut faire attention là où on fait les lives. Demain je sais pas où je serai, je serai là, je serai dehors. On avisera un peu demain, voilà. Comme toujours, paix et prospérité, comme toujours, prenez soin de vous. N'oubliez pas ce soir la petite prière, bien évidemment, pour vos proches. Vous pouvez m'inclure dedans et vous pouvez même mettre que si vous pouvez gagner à tombola en même temps, que ça vous arrangerait. Je veux dire, prends soin de GLG, hein, parce qu'il se donne quand même beaucoup de mal pour nous faire rire. Et ensuite, s'il pouvait me faire gagner à tombola, ça serait bien. Tu vois ce que je veux dire? Hop, tu places les deux. Hop, petit, hop, donner d'abord et espérer récolter un petit peu après, bien évidemment. Allez, comme toujours, je vous souhaite un bon lundi. On se retrouve demain. Paix et prospérité, que Dieu vous bénisse. Kiffez bien, parce que je trouve qu'on a bien kiffé. Si t'as rigolé au moins une fois ou deux, mission accomplie. Tu le sais. Bye bye.